Non, la première trace moderne de la banane, c'est une publicité dans le magazine américain Sports Illustrated en 1954. Et cette pub, elle propose pour 10 dollars un fanny pack. États-Unis, fanny pack, donc sac de fesses, parce D'accord. que fanny veut dire fesses aux États-Unis. Et donc en 1954, cette pub-là, c'était pour une banane qui était faite pour faire du sport. C'était un truc qui était marketé pour les skieurs, pour mettre leur cire pour leur ski, etc. Parce que qu'est-ce qui se passe au début des années 80 dans les sociétés occidentales ? Eh bien, c'est le moment où, pour la première fois, les gens ont commencé à utiliser des vêtements et des accessoires de sport pour faire autre chose que du sport. Le moment où on a commencé à mettre des baskets juste pour sortir dans la rue, à mettre des joggings pour aller en soirée. Et c'est comme ça que, comme plein d'autres choses, la banane article de sport est devenu un article de mode tendance.